Salut team, c'est Mike, du coup avec Arthur derrière qui filme. Ouais. Aujourd'hui, on vous propose une séance de renfo axée sur la chaîne de poussée, donc sur les membres sup. Vous allez avoir un minimum de 12 minutes. D'accord ? Donc sur la première minute, je vais faire 12 push-ups. Ensuite, sur la deuxième minute, je ferai des strict press. D'accord ? Donc avec des outils différents, vous allez avoir soit dumbbells, si vous en avez pris, une paire de dumbbells par exemple. Moi, j'utiliserai une medball aujourd'hui. Vous pouvez prendre un pack d'eau si vous avez envie. Bref, vous prenez tout ce qui vous passe sur la main. Le but étant d'être un petit peu lesté. Pareil sur les push-ups, on vous montrera tout à l'heure les différentes adaptations, mais vous pouvez aussi vous lester s'il y a besoin, prendre des élastiques pour que ce soit un peu plus dur, etc. La qualité, c'est tout ce qu'on cherche. Donc nous, on fera les 12 push-ups par exemple, sur le temps qui reste, on fera un peu de holo. Et quand on fera les strict press, bah pareil, sur le temps qui reste, on se mettra en position de planche. D'accord ? Donc comme ça, au moins, on changera, on fera du gainage en même temps, pour, histoire de combler un peu. Sur la fin, biceps curl, okay, donc avec élastique, avec barre, bouteille, etc., tout ce que vous voulez. On fera un tabata, mais en 10-5, c'est-à-dire 10 secondes de travail, max de rep pendant 10 secondes, 5 secondes de pause. C'est très court, ça nous fera une sorte de AR7 comme on avait déjà fait. Pour le warm-up, tabata, pareil, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, 4 mouvements qu'on passera 2 fois sur chaque. Donc, munissez-vous pour ça, pour le warm-up, vous allez avoir besoin de quelque chose pour faire des presses, mais très léger, par exemple bouteille d'eau, etc. U-raise, pareil, 2 bouteilles d'eau, ce serait très très bien. Et hollow hold, besoin de rien. D'accord ? Donc, mettez-vous en place, on va commencer par la mobilité, on fera 2 tours, 20 secondes d'étirement des triceps, d'accord, de chaque côté, et après on passera sur le arm-up. D'accord ? On va se mettre en place. Moi, pour le halo, du coup, je vais prendre une plaque de 5, vous prenez pareil quelque chose, un sac, bref, tout ce qui vous passe par la main, vous pouvez le prendre. Donc on va commencer par les 20 secondes d'étirement. Donc on vient tirer, hop, main ici, tirer le coude en arrière. Et on lève la tête. D'accord ? On ne laisse pas le dos se voûter. On reste ici droit, on ne cambre pas le dos. Et on tient pendant les 20 secondes. Tu me diras, tu te reconnais toujours. Ouais. Il fait le timer aussi en même temps. Sur l'autre côté. Parfait. Pensez à bien vous étirer. J'espère que vous avez pris votre bouteille d'eau aussi à côté de vous. Très important. 10 secondes. Elle est pas venue de ce côté. Ouais, je pense que j'avais commencé un peu plus tard. Top. On relâche. Ensuite, bah, prenez ce que vous avez sous la main pour pouvoir faire le halo. Donc je commence ici au niveau de la poitrine. Je vais faire un grand cercle pour passer derrière la tête et je reviens ici. Ça, ça fait 1. On va aller jusqu'à 10. D'accord ? Je change de côté à chaque fois. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On part sur l'étirement des triceps, comme tout à l'heure. On part sur 20 secondes. Pensez à bien respirer, maintenez l'ouverture de cage, levez le menton. Et 10 secondes. Pas le on reprend du coup pour le halo par ici. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. On relâche ensuite. Donc pour le warm up, vous allez avoir 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Scap push-up sur le premier mouvement. Donc, bras tendus, d'accord, au sol, bien sûr. Ici, je vais serrer les omoplates en gardant bras tendus sans fléchir les coudes. Et ensuite, je repousse. Donc, je serre les omoplates, puis je repousse. En maintenant la tête neutre, d'accord. Ensuite, vous allez avoir des presses. Prenez bouteille d'eau, par exemple, pour faire des presses. Ensuite, on aura le U-raise. Donc, ce sera avec des plates ici. On passera comme ça. Hop, on viendra devant et on reviendra ici. D'accord. Donc, les paumes de main sont vers vous au départ. Puis, elles se regardent une fois en haut. Okay. Et on terminera par le hollow hold. Donc,
pour le holo. Ici au départ, si ça c'est dur, je ramène les mains, je ramène une jambe ou je ramène les deux jambes. Là c'est vous qui voyez. D'accord, on maintiendra ça pendant les 20 secondes. Vous êtes prêts? Moi je prends des plates pour les race et pour les presses. On part dans 10 secondes, vous êtes prêts? On se met en position pour les scap push-up. Allez, go! Prenez le temps, c'est pas un round, d'accord? Donc ça sert à rien d'aller vite. On veut juste travailler sur la gestuelle et sur la mécanique. Mettre en place le mécanisme de poussée. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Moi pour les presses, je vais prendre les petites haltères du coup. Mais ici, hop, et j'ouvre vers le haut. D'accord ? Il faut que ce soit léger, tranquillement, de façon à commencer à avoir un peu de sensation. On lâche. On passe sur le lieu raise, donc cette fois, il va falloir se mettre debout. Paume de main vers vous au départ. Prenez le temps, regarde droit devant. À la fin, les paumes de main se regardent. Hop. Ça sert à rien d'aller trop vite ni de fléchir les coudes en haut. D'accord. Pareil ici, pas balle. On retient la descente, on contrôle du début jusqu'à la fin. On relâche. Hop. On passe sur le holo. Vous choisissez votre niveau. Je pourrais pas parler pendant celui-là. Tu dures si tu veux chanter quelque chose. Faut pas hésiter à scaler. S'il faut pardon, plier une jambe, plier les deux. On repasse du coup sur le premier, scap push-up. D'accord. Allez, go. Dans le contrôle. Mettre debout pour faire les fesses cette fois. Hop. Prenez le temps doucement, ça sert à rien d'aller trop vite. C'est de ressentir le geste, d'accord? Bras proche des oreilles, pas sur le côté ici, et non plus pas devant. Ça, c'est vraiment le long du corps. Okay? Et bien vers le plafond. Petite rotation, donc les mains vers moi au début, mains vers l'avant ensuite. Ok? New raise ensuite. Commencez à avoir les épaules chargées. Hop. Et on le fait tout doucement. Comme on vous a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un scale, de toute façon on va le réutiliser, on va utiliser ça pendant le run, enfin pendant la séance. Donc, soit ici, soit je ramène les mains, d'accord, soit je ramène une jambe, par contre je garde toujours les omoplates décollées, soit je ramène les deux jambes. Et on relâche. Très bien. Allez, bon, un coup. On va commencer dans pas longtemps. Je vais remettre le timer pour qu'on puisse avoir ça. Les 12 minutes. On va revenir sur les push-ups, au fur et à mesure je vais vous montrer. Donc, pour les push-ups,
Le but, c'est je maintiens un alignement au niveau des épaules, des hanches et des chevilles. D'accord, ça ne bouge pas. J'ai les mains sous les épaules, largeur d'épaule. Je pose poitrine au sol, je lève le menton un petit peu. D'accord, pas la tête en avant. Je lève le menton pour pouvoir respirer et éviter que le nez touche avant la poitrine. D'accord, donc je suis ici, coude le proche du corps. Poitrine au sol, mais pas le bassin. On finit bras tendus ensuite. Ok. Et pour le deuxième, ce sera des presses. Moi, je prendrai une medball. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vais le faire assis, si vous voulez le faire debout. Pareil, libre à vous de le faire comme vous voulez. Je mets les mains dessous, hop, presse, passe la tête entre les épaules et on revient. D'accord? Donc, on aura 12 reps de push-up et ensuite 12 reps de presse. Ok? On se met en place. On va commencer par les push-up. Vous pouvez les faire sur les genoux ou avec quelque chose en dessous de la poitrine pour réduire l'amplitude de mouvement. On part dans 10 secondes, les poulets. S'il y a besoin de cutter, vous cutter. S'il y a besoin de cutter, vous cutter. D'accord? Sans problème. Allez, hop! Et 12. Donc là, on y va à son rythme. Voilà. Dès qu'on a fini. Une fois que vous avez terminé, on passe position de holo. D'accord? Donc, pareil, vous pouvez choisir un niveau plus facile parce qu'il va y avoir pas mal de tours. Donc, holo sur le premier tour. Donc, pour rappel, les différents scales, vous pouvez soit plier une jambe, soit plier les deux jambes et avoir donc les mains proches des chevilles, le long du corps. Si vous y arrivez, faites la position de la cuillère le plus longtemps possible, le temps restant. Le plus important étant d'avoir les omoplates décollées bien sûr du sol. Encore 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, on passe sur les presses. Saisissez l'objet. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. On va récupérer sur celui-là. On prend la récup, secoue un petit peu. On fera push-up, holo, et après on passera sur les presses. D'accord? Récupère un petit peu, buvez un coup, le but étant de chercher un max de sensations. Parce qu'on va passer 6 fois sur chaque. Pas piqué. Allez, on se prépare, on part dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Holo! Donc, Mike étant un professionnel des pompes, il va assez vite. Chacun a son rythme. Prenez votre temps. Le but étant de faire vos 12 reps dans la minute et de tenir le holo le plus longtemps possible ensuite. Donc lui, c'est juste que il va devoir tenir son holo beaucoup plus longtemps. Là, il est en train de checker si ses pecs sont bien déjà engorgés de sang, congestionnés. Pas encore. Il y aura encore quelques séries à faire. Il y a encore 10 secondes. Allez, les presses. On passe sur les presses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on relâche. Ça fait que deux, hein? Ça fait que deux. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait que deux. Ouais. C'est long, 12 minutes en fait. De ouf. De ouf. Le plus long, c'est quand tu tiens en haut. Ouais, je prends mon temps pour faire la push-up. Ouais, je pense qu'il vaut mieux, ouais. Tu vas trop. Si vous voulez, là, je vais commencer à cutter en 12 les push-ups. Voilà.
Ça, ça me prend à peu près 55 secondes. 3, 2, 1. Allez, go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si je prends mon temps là. En beau tempo. Et 12. Allez, plus que 40 secondes de holo. C'est très long. Donc pareil les gars, hein, si vous voulez commencer donc avec un niveau assez difficile en holo, d'avoir donc les deux jambes tendues, les deux bras tendus derrière la tête, mais au fur et à mesure donc plier une jambe, plier les deux jambes, etc. C'est possible également. Hein, donc le but étant de garder cette position de holo le plus longtemps possible, éviter justement de cutter pendant ces 40 secondes ou 30 secondes qui vous restent. Allez, encore 5 secondes les gars. 3, 4, pardon, 3, 2, 1. Ok, les presses, on serre bien les abdos. 1, 2, 3, 4, 10, 11, et 12. Allez, récup. Les 40 secondes de récup passent plus vite que les 15 secondes. Ça fait 3. Du coup, on a fait la moitié. Il nous reste encore 3 passages. Essayez de bien ressentir le mouvement sur les push-ups notamment. D'accord. Et sur les presses. Les deux exercices sollicitent quasiment la même chose. Donc, on est tout le temps sur les mêmes chaînes musculaires. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Allez, les gars, on reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On l'a vu la pause à la 11e hein, pour pouvoir gagner du temps sur le holo. Quoi ? Allez. Non, j'ai pas. Quoi ? 40 secondes de holo, c'est parti. Allez les gars, on tient. Le but étant de ne pas cut justement ces 40 secondes, ces 30 secondes de holo qui vous restent après vos pompes. Hein. On se trouve à un niveau dans lequel on peut tenir et on le tient. Allez Mike, encore 20 secondes. On souffle bien. Allez, 10. 5. 4, 3, 2, 1, top. Sur les presses. Allez, tout de suite les presses. 1. Et 12. Et récup, les gars. Dès que c'est terminé, prenez votre temps. Il nous reste deux passages sur chaque. Bon, ça pique les épaules. Prenez le temps de bien boire pendant la pause. Soufflez bien. Allez, on y retourne dans 10 secondes. 5. 4, 3, 2, 1, top. Allez, go. Dernière. Nice. Et le holo. Donc là, il faut garder une technique propre pour que ça soit donc sur les pompes, sur le holo. Le but étant de tenir une position le plus longtemps possible. Les pompes, il faut que la poitrine touche le sol. On a justement, comme disait Mika, pas le bassin qui touche en premier. Hein. Allez, 10 secondes encore, on tient.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. Si ça tremble, c'est normal les gars, c'est normal, c'est que ça bosse. Les presses, on serre les abdos. Il reste. Récup. Moins en moins de récup. Ouh, ça dit bien. N'oublie pas, le but étant de maintenir une bonne technique. S'il y a besoin même de passer sur les genoux pour les push-ups, pas de problème. D'accord, ça doit travailler correctement. S'il y a besoin de couper, vous coupez. D'accord, mais pas de dos qui se cambre. Pas de bassin qui touche, puis on remonte, etc. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, comme disait Mika, si vous voulez passer sur les genoux, tant que la forme reste correcte, les gars, c'est l'idéal. Passez sur les genoux, prenez le temps, cutez, faites des séries de 5, faites des séries de 6, etc. Le holo. Allez, le holo tout de suite. Donc là, vous voyez un Mika qui est en train de rechecker ses pecs. Et là, il s'aperçoit que quand même, c'est déjà un peu plus congestionné que tout à l'heure. Donc le travail est bon. Là, le body sculpt fait effet. On a un coach gainé maintenant. C'est pas rire. Allez, encore 10 secondes, 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Les presses, dernier passage, les potes. Allez, on s'applique. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Nice. Bon, on essaye de terminer dans la minute. On récupère ensuite, on boit un petit coup. On va se faire le finisher par la suite. Si tu as un peu les bibis, ça on est bien pour sortir. Si vous voulez la refaire vendredi soir, vous pouvez aussi. Ah ben non, je ne peux plus sortir. Oh, c'est un regard sur Zoom. C'est un regard sur Zoom. Faut avoir les pecs congestionnés. Voilà, ça on peut mettre. Oh non, je vais pas faire gaffe. Et on relâche. Bien joué les poulets. Donc, pour ceux qui sont vraiment très chauds, prenez, je sais pas moi, 2-3 minutes de pause. Si vous voulez recommencer, faites-vous plaisir. D'accord? Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer sur l'after pour nous. C'est la séance. On va se régler ça. Donc, vous allez prendre quelque chose de pas très lourd. Okay, moi je vais prendre un élastique, après vous pouvez prendre une plate, la meatball, une dumbbell que vous prenez sur le côté, un pack d'eau, bref, vous connaissez un petit peu maintenant. Prenez ce que vous voulez. Ensuite on va faire 10 secondes max de rep, biceps curl, 5 secondes de récup, et on aura 8 tours comme ça aussi. D'accord, donc je vais régler le timer du coup, sur 8 tours, et sur les 10 secondes. Et sur les 50, c'est beaucoup de récup du coup. 0 et 5 secondes. Ok, donc on se met en place. Moi je vais prendre le petit élastique. Prenez, faites ce que vous voulez. On boit un petit coup. On va se lancer. 10 secondes de travail max de rep propre. D'accord, donc sur les biceps curls. Le but étant de garder les coudes proches du corps et dans l'alignement. D'accord, quitte à les ramener un tout petit peu devant sans problème. Par contre, ça on évite. Okay, sinon c'est l'épaule qui va travailler. Beaucoup plus facile, mais on n'aime pas que ça se passe. Ici, lève le menton, on se tient droit. D'accord, je ne baisse pas la tête. Et surtout quand ça commence à être dur, on reste là solide. Et ici, et on n'avance pas les coudes, on reste là. Il n'y a qu'une flexion ici qui se passe. C'est tout. Okay. Donc, on part dans 10 secondes. Prendre mon petit élastique. Mets les pieds dedans. Allez, go, c'est parti. Max de rep.
propre. D'accord, on s'applique, on essaie de retenir un peu. Lève la tête, baisse pas, même si on a envie de se regarder comme ça. Pire fait devant un miroir. On relâche, 5 secondes. On repart. Allez, max de rep. C'est que 10 secondes, les gars. 2, 1. On relâche. Ça va faire du bien. Ok. Et top, max de rep. On relâche. Ouh, on avait déjà fait un petit peu, pas le même format, mais à la salle, ça pique un peu. Hein. Allez, go. Nice, Mike, allez. Allez, les gars, on lâche pas, on lâche pas. Top. Essayez de faire à peu près le même volume de rep à chaque fois. Sur 11 reps. On tend bien les bras, on vient chercher l'étirement et la contraction ensuite. 2, 1. On reste 3 passages. Allez les gars, max de rep, max de rep. Nice. Perdu une rep. On reste 2 passages. Allez, on essaie de rechercher cette rep. Maximum, maximum. 2, 1. Dernier passage. On sera solide. Top. Allez, max, 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 c'est le dernier, les gars. Allez, Mike. Maximum, allez. 1. Top. Et on relâche. On est gueulé. J'ai une crampe. Donc, merci les gars pour la petite séance. Donc, j'espère que ça vous a plu. Le but étant vraiment de se focaliser sur la technique et sur le placement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite et de dégrader le geste. D'accord, pour aller vite, c'est inutile. Vous avez les WOD et tout pour faire plaisir. Non pas en dégradant la technique, hein, faire plaisir sur un gros volume de rep et envoyer fort, fort, fort. Là, on se focalise vraiment sur la qualité du geste. C'est primordial si vous voulez avoir des résultats par la suite. Donc, sur la contraction, etc. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un poutou, on se voit bientôt, on dit que j'ai solide, d'accord ? Ciao les poulets !